Ok, non c'est bon, je crois que j'ai tout là. Ouais, on prend l'affaire. T'inquiète, on va assurer. Comment ça, on gâche rien? Comment ça, comme d'habitude? Non, mais attends. Non, mais là, ça compte pas. Comment tu voulais qu'on sache qu'une mémé 90 ans, ça fasse pas du skateboard? Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je te dis, on va assurer. Allez, bisous. Alors? C'est bon. Nouveau client. Tu me fais le topo? Eh ben écoute, bientôt 45 ans, la trentaine, le petit travail prenne une assurance. Il s'est fait voler ses clés et 3 heures après, on lui a piqué sa voiture. Il pense que c'est lié. Ha! C'est lui le détective ou c'est moi? Non, mais enfin bon, il veut qu'on enquête. Ok, et pour l'assurance? Quelle assurance? Bah, tu me dis qu'il est près d'une assurance. On s'en fiche de ça, mais non, mais ça n'a aucun rapport. Ah bon? Bah, laisse tomber alors. Enfin, bref, si on réussit l'enquête, il nous embauche pour plusieurs mois. Une histoire louche dans sa boîte. Ah ouais? Il faut qu'on assure alors. Ouais. C'est qui les meilleurs? Bah, c'est moi et c'est toi. Bah ouais, allez go. On y va. On va lui montrer. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour. Maurice et Robert de l'agence privée. Notre standardiste a pris rendez-vous avec vous. Quel est votre problème? Ah, comme j'ai expliqué à votre standardiste, on m'a volé ma voiture environ 30 minutes après qu'on m'ait volé mes clés. Et vous pensez que c'est lié? Ah oui, absolument, j'en suis sûr, oui. Erreur classique. Quand les amateurs, ils font les détectives. Vous voulez dire que... Que nini, monsieur Alain. Mais vous inquiétez pas. Maintenant, on est ici. On se charge de tout. Maurice? Plus encore. On doit tout inspecter. Mais t'es sûr? Fais voir. T'as raison. Ah, si seulement on l'avait su, celle-là. Et c'est quoi? Une plume de poulet islandais. Ils sont connus pour être très très jeunes. Ils ont dû voir vos clés, ils ont voulu faire un tour avec votre voiture. Monsieur Alain, votre voiture, c'est une marque islandaise? Ah non, du tout, non. Oh le con, en plus il s'est gouré. Ah non, mais ils sont très joueurs, mais ils sont si bien miro. Non, mais vous êtes sérieux là? Un poulet islandais, ça a même pas de main, ça peut rien attraper. Bah, vous dites ça parce que vous êtes en colère. Bon, non, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Messieurs, merci. Je n'ai plus besoin de votre service. Mais attendez, et nos 72,30€? Envolé. Bon, hé, tu me tiens bien ma cache. Non, non, non. C'est vraiment sympa ta déco. Hein. Ouais, merci, bah, j'ai pris l'idée sur dans un magazine. Ah, mais c'est une bonne idée, ça rend sympa. Par contre, t'as une photo qui est de traviole. Salut, salut! Salut les gars! Salut. Bah tiens, vous tombez bien, je vous présente Nina, ma copine d'enfance. Bonjour. Nina, Maurice. Enchanté. Et Robert. Bonjour. Alors, cette enquête? Bof. Nickel, nickel, non, très bien, on a réglé le problème en deux. Félicitations, bravo! Bon, on va dans le bureau parce qu'on va débriefer. Ouais. Enchanté, Robert. Enchanté. Robert! Mais j'arrive! Ah ouais, quand même, c'est du lourd! Ah bah je t'avais prévenu, hein, mais j'ai pas le choix. Vous les avez audités? Tout à fait, Miss Schoeffler, tout à fait. Et je peux vous dire que ce sont de sacrés numéros. Ils font l'affaire. Sans l'ombre d'un doute.
ils ne réussiront pas. Ils m'ont sorti une histoire de poulet islandais à dormir debout. Pour un vol de voiture? Ces galinacés ont l'air très joueurs. Attendez, vous me parlez des poulets ou des privés? Je vous suis plus. Des deux, Miss Stuffler, des deux. Bon, et pour la réunion? Vous serez nominé, comme convenu. Oui, mais pour les actionnaires les moins coopératifs. Ça, je m'en occuperai personnellement. C'est toi qui appelle. Quoi? Ah non! Ah non, c'est déjà moi qui appelais la dernière fois. Non, c'est ton tour. Non, non, non. Moi, je crois que c'était déjà moi la dernière fois. Non. Bon, ben, je vais appeler. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est quoi cette enquête à la noix? Et depuis quand je suis votre standardiste? C'est moi qui vous trouve vos clients. Excuse-nous, Zia, vous pensez que ça allait marcher quand même? Non, mais tu te fous de ma gueule! Un poulet islandais! Un poulet islandais! Vous pouviez pas trouver autre chose? Un cambrioleur qui avait repéré sa voiture à 50 000 euros? Bah si, ça en aurait pu, c'est pas bête. Je vous avais donné toutes les infos. Son job, combien de temps il passe au bureau en moyenne, le modèle de la voiture. Je peux pas résoudre les enquêtes à votre place. Non mais attends, c'est bon, t'as qu'à venir avec nous la prochaine fois si t'es si maline. Les gars, vous êtes vraiment pas au top. Vous dégotez des clients en or et vous gâchez tout. Ouais, on sait jamais. Il peut peut-être encore rappeler pour l'histoire dans sa boîte, là. Je suis pas d'humeur, Robert. Vous m'avez vraiment saoulé. Je vous rappelle si j'ai du nouveau. Hein? Non. Non mais attends, elle exagère, elle a raccroché. Bon, écoute, en tout cas, moi, ça m'a pas coupé l'appétit. La petite copine de Natacha, je la trouve bien gentille. Mais tu t'arrêtes jamais. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une machine de guerre, moi. Natacha, il arrive! Allô? 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 J'y crois pas, ils sont pas partis, quand même. Maurice! Robert! Allô? Non, mais ils savent même pas servir un téléphone. Mais pourquoi je les ai choisis, eux? Je vais pas venir avec nous cette semaine. Merci. Putain.